On va jamais oublier ces gens qui ont été tués dans ce pays. Pour le prouver, demain, donnons-nous rendez-vous. Parce que Mbiko Malembe, Wadane et Mauritanie. Donc c'est Tchoudi Maron, Kirtani Haidara. Donc NNFF, NNYAGAN et Jalfarem, qu'on est la communauté internationale, qu'on est là, qu'on existe, qu'on a des problèmes. Ndani, Subakalo, NNFF, Botan, de Polyclinique. Ngam Hulute, il y a des problèmes qui sont réglés. Jalten. Ma nationalité, il doit du monnaie de nananon tof. Haodi, Honorable Abu Habobe Basselman, Judemun Bonihen, Honorable Lamin Manganian, Baram Hel Tamagama, Honorable Bachilian, Hajoni Nanapie, Hajoni Baleba, who judgment trial to do. Donc, Enkala Eden Yaga, Nengelteren. Le 25 mars, on va aller semaine, parce que quand on est notre Nelson Mandela, quand on est notre Martin Luther King, c'est le révolutionnaire actuellement en Mauritanie, et nous sommes Niaga, Suabe, Fof, Nendor Tchagalmoko, l'Oroi fait de touche pas à ma nationalité, parce que dernier rang que problématiquement, au dernier rang que problématiquement, on Yamaha, on Yaraha, on Danotako, c'est on a des griffes griptades de l'animal réglé. On est Niaga, nous n'avons pas un tel one Abdul Biran, Harimon Jokundri Damako. Salam alaikum, on a fait un chal minama. Jafodon non, min kaldam mi koy leddi Mauritanie gondi do en fo pour moni fo wawa nande hen ngirtomi halde koy tubankore. Moi je vais commencer par dire à ces criminels qui sont devenus aujourd'hui des généraux et des colonels qu'ils seront traqués toute leur vie comme des bêtes sauvages. Là où ils sont, ils doivent avoir peur parce que tout simplement cette génération qui a grandi entre 86 et 91 a repris le combat. On va les poursuivre jusqu'à leur vieillesse. Ils seront traqués comme des bêtes sauvages. Ils ne resteront jamais tranquilles, ils ne seront jamais en paix. Je suis en train de rappeler tout simplement que des criminels nazis qui avaient commis des crimes entre 39 et 45 sont jugés aujourd'hui. Charles Taylor est au tribunal de la Haye. Bagbo est au tribunal de la Haye. Taïa va finir au tribunal de la Haye. Boylin va finir au tribunal de la Haye. Ils sont nombreux, Eli Woulda, ils sont plus de 200 à avoir versé le sang des Noirs parce que tout simplement ce sont des Noirs. Et nous, on ne va pas oublier, on ne va pas pardonner, on va exiger que justice soit rendue. Je rappelle tout simplement que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire que ce gouvernement, que ce régime de Oul Abdel Aziz est un régime de farceurs. Ils font semblant de résoudre un problème très épineux alors qu'ils n'ont rien fait. Il est de notre devoir de refuser que cette journée du 25 soit instituée journée de réconciliation. Cette réconciliation ne peut pas exister tant que nos morts ne vont pas reposer en paix. On n'est pas d'accord. Alors, ce qui s'est passé entre 86 et 91, c'est des crimes atroces. Les gens parlent de passif humanitaire. Moi, je dirais tout simplement génocide. C'est quoi un génocide? C'est la volonté d'exterminer une communauté à cause de sa couleur ou à cause de sa religion. Justement, les négros mauritaniens ont été exterminés parce tout simplement ils sont noirs. Donc, au lieu de parler de passif humanitaire, ayons le courage de dire qu'il s'agit bien sûr d'un génocide. C'est un génocide qui a frappé la communauté négro-mauritanienne. Comment ces gens ont vécu leurs derniers jours? Certains ont été tués, ils ont été écartelés par des voitures. D'autres ont été traînés par des voitures. D'autres enterrés vivants. Certains brûlés vifs. D'autres pendus. On ne peut pas oublier ces crimes. Aujourd'hui, leurs enfants ont grandi. Nous gardons tout dans notre mémoire jusqu'à ce que justice soit rendue. En 1993, des parlementaires qui font honte à leur nation ont fait ce qu'on appelle la loi d'amnistie. Un pardon ne se décrète pas. On bawa warde hangas non dardon bion on jafima koyemon dum don wawa gasata sellata. Quelqu'un ne peut pas tuer et s'accorder lui-même le pardon. Le pardon ne se décrète pas. C'est pour cette raison qu'un jour, de la même manière que les criminels et les génocidaires seront poursuivis,
les députés qui ont également voté la loi d'amnistie de 1993 doivent rendre compte au peuple mauritanien qui les a élus. Ce qui s'est passé de pire encore, c'est que Oul Abdelaziz est venu au pouvoir. En cherchant à régler le problème, il a commis une mascarade. Il est parti faire la prière de Kaedi, c'est ce qu'on appelle la prière de l'absent. Nous ne pouvons pas être d'accord avec cette prière. Tous doivent rendre compte. Aujourd'hui, nous avons des revendications. Nous, mouvement Tous Pas à Ma Nationalité. La première revendication va consister tout simplement à demander une commission d'enquête indépendante. Il faut que les Mauritaniens sachent ce qui s'est passé. Pourquoi ces hommes ont été tués? Qui a donné l'ordre de les tuer? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et nous ne faisons pas confiance à cette justice mauritanienne qui est encore sous les ordres. Il faut qu'il y ait une commission indépendante. Ensuite, que la loi d'amnistie de 93 soit abrogée. Il faut qu'elle soit supprimée pour que ces criminels qui sont protégés par cette même loi soient poursuivis par la justice. Et par la suite, il y a encore un troisième point, le jugement de ces criminels. À commencer par Ould Taïa, qui est dans son exil doré dans le Golfe. Il doit revenir. Nous ne sommes contre qu'il soit jugé dans ce pays. Non, parce que la justice mauritanienne n'est pas indépendante. Il faut qu'il soit jugé par un tribunal international, qu'il soit jugé comme ses pères qui ont fait honte à l'humanité. Il faut qu'il soit jugé comme Gbagbo. Il faut qu'il soit jugé comme Charles Taylor. Il faut qu'il soit jugé comme tous les criminels. Ensuite, on va tout simplement exiger que ces victimes soient réhabilitées. Pour les tuer, ils ont fabriqué toutes sortes de preuves en disant que ces hommes qui ont versé leur sang pour la Mauritanie, qui ont défendu les couleurs de ce pays, ils les ont accusés d'avoir fomenté un coup d'État. Ce n'est pas vrai. Il faut honorer leur mémoire tout simplement en faisant savoir à l'opinion nationale et internationale que ces hommes n'avaient rien fait, qu'ils sont innocents. Ce sont des hommes qui ont vaillamment défendu leur pays. Donc, ils doivent être réhabilités. Ensuite, on va parler de la réparation. On ne peut pas ramener les morts, mais on peut tout simplement réparer les préjudices que leurs proches ont subis, leurs épouses et leurs enfants. Et ensuite, nous allons encore demander à ce qu'une loi soit votée. Cette loi, elle doit tout simplement reconnaître que les Noirs ont été bien victimes d'un génocide dans ce pays. Il ne faut pas avoir le complexe de le dire. Aujourd'hui, nous profitons de cette occasion pour vous demander tout simplement de savoir que ce combat, c'est le combat de la jeunesse mauritanienne. C'est à nous de mener ce combat. C'est à nous de poursuivre cette lutte jusqu'au bout. Alors demain, nous demandons à tout le monde d'être prêt, d'être présent au point de départ. Il faut que nous soyons prêts et très courageux pour aller jusqu'au bout, défier ce régime raciste, défier ce régime qui repose sur le mensonge et sur le faux. Bandiraaɓe onon fof oɗon ñaaga janngo nde ndewaten botten hedde centre recensement gonɗo Sara polyclinique o pour wadde seppo men mbele eɗen kollira oɗo ñalama 25 min mbiyata ko ñalama beldirgol en jaɓanimo ɓe mbawa jaggude ɓe paɗɗira ɗum henne guertoɗe ni ɓe duttoɓe mbiya ɓe jaafima koye mabɓe taw kamɓe hayso guertogel mabɓe mbarɗa a yoɓat enen noon en mbawa woppude ɗum en darat baddene mabɓe kamɓe ɓe warannoɓe hayso ɓe nayi ken rewoɓe mabɓe hayso ɓe mayi ken ñawoyowoɓe ñawe tanale mabɓe en mbawa woppirde noon. Il faut daroɗen kollen ɗum ɗo ko devoir men se goppirini en koyi en mbawa wardede ni en tan joɗɗen mbasen haalde haydara kamɓe ɓe foof en wulda en boyliri en mawiya en wul maggati en ardi wul jidayni en kamɓe foof keɓe ñawoyteɓe ɓe cokoyeɓe mayata ko nder prison. Onon foof on jarama tinno ɗon mon foof wona très très courageux mbasen ruttade hen caggal janggo e jaam mbaɗen seppo men enen foof kewen kala haaju mbawnoɗen jogade goppen kollen ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri tidde men. Donc onon foof on jarama haare men ko yesso tan fayi Tous Pas à Ma Nationalité ma dardo e moon onon les victimes ha keɓen sagoji men. La lutte continue, nous irons au combat jusqu'au bout. Du courage, bravo Tous Pas à Ma Nationalité, bravo les veuves, bravo les enfants des victimes, bravo le collectif rêve. On jarama onon foof du courage. Merci. Stop, Didier. Donc rendez-vous demain à partir